Hello, on est lundi 31 juillet, on part en vacances d'automne, vacances d'octobre. Bon, il fait pas froid, mais c'est bizarre quoi. La voiture est chargée, tout est prêt, et ce qui est cool, c'est que, comme je l'ai dit hier, enfin dans le vlog, qui est sorti, je sais plus quand. On a un sac de moins, donc dans le coffre il y a plein de place. Donc c'est génial. C'est marrant parce que quand on est parti en Italie, on est parti un lundi. Là on part un lundi. Oh putain, c'est bien noir. Et d'habitude on part le samedi, je suis complètement perdu dans les jours en fait. Voilà, voilà. En fait, c'est l'idéal de partir le lundi. Bon, l'Italie c'est différent, c'est un avion, mais pour la route, on aura moins de monde. Même si dans ce sens-là, en direction de la Belgique, il y a moins de monde que en direction du sud. Je vais commencer à réfléchir aux vacances de l'été prochain. Je viens d'aller faire les courses, il fait une pluie de ouf. On est à Lidl. De Bréden. Et il pleut. Mais bon. C'est comme ça. Là, on va aller chercher les clés à l'agence. On va prendre la voiture. Ici. Cool. Et voilà, je suis dégoûté pour la pluie là. Il fait 18. Attends, je filme. Bon, on va chercher les clés. Vous voyez pas, mais je suis trempé de partout. On est trempé de partout. Avec cette claquette, bah voilà, il y a de l'eau partout. Pff, t'as des clés? Bah oui. Putain, quel bordel. Il pleut de ouf. J'en ai plein les lunettes, on est trempé là. On a pris un KOL, mais on l'a pas mis. On aurait dû. L'enfer. Donc là, on va retourner à l'appartement. Enfin, on va aller à l'appartement. On va tout décharger, ranger les courses, monter tout. En plus, on est au parking moins 2. Il faut tout qu'on remonte. C'est tout un dédale d'ascenseur, d'escalier et tout. Oh, mes cheveux sont bien. Ah, ben, moi aussi. Je l'avais hier. Et voilà. Bref, David est en train d'expliquer à les dames comment payer le parkmètre. Enfin, en fait, il y a 30 minutes gratuites. Il va être trempé. Et ils ont donné sa poubelle. Les documents là, ils sont trempés. Oh là là. Vous imaginez pas que mon legging est trempé de partout et tout. On dirait vraiment d'en avoir moins bien. Non mais David, il est sympa parce que il pleut, il est trempé. Bon, tu verras, il aura pas les cheveux mouillés lui. Oh, ce temps là. Donc là, on est à Bréden, c'est là où il y a l'agence. Ouais, David, là, prend sa douche. Hein? Voilà. T'es trempé, non? Oh, putain, tu dégoulines. Oh non, t'avais tous mes papiers! À la main. Ça va ma chérie, c'était étanche ma puce. Ouais, bon. Ma chérie. Alexis, tiens, mais ça c'est trempé. T'as vu, il donne un sac poubelle? Oui. L'avantage, c'est comme on est déjà venu, c'est le parking, les lieux,
ça évite, parce que le parking c'est tout un bordel pour remonter. Et au départ, la première fois, on était estomaqué. Voilà, donc là c'est la vue sous la pluie. Ouais. Bon, on va voir, là, déjà on va se poser, je vais tout installer. On verra si on va se balader. Ce midi, je t'ai pris une petite volée de citron quand on s'est arrêté manger. Peut-être que je me coiffe. Oh, non, mais l'eau est rentrée, Alexis. Ah ouais? Putain. Comment elle est rentrée? Parce qu'on avait ouvert les fenêtres. Parce qu'il fait chaud quand même. Enfin, il fait chaud. Dans l'appartement, il fait lourd. Oh là là là, j'ai le porte. Donc, et là, ça mouille pas là? Non. Ah ouais, mais regarde, regarde, il y en a partout là. Bon, bref. On voulait sortir avec David, mais là, il pleut vraiment beaucoup. Donc, on va attendre. On s'est fait un café. Ah ouais, non, mais là, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine d'y penser. Je sais pas si vous voyez. Quelle galère. Je me dis, heureusement, on a... Alors, le rooftop, c'est même pas la peine d'y penser. On peut pas y aller pour l'instant. Heureusement, on a vraiment un grand appart. J'ai fait un réel sur Instagram. Je l'avais fait au mois de mai, mais je l'ai republié. Donc, si vous voulez aller voir. Voilà, je vous montre vite fait. Je sais pas, je me rappelle plus si j'avais montré déjà. En... Je sais plus. Donc là, on a une grande cuisine. Vraiment très, très grande. Voilà, donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est la vue sur la mer. Et quand on est sur le rooftop, on est au-dessus. On a une vue magnifique. Bon, là... Voilà. Donc là, c'est l'escalier qui monte au rooftop. Lève pas la tête, Alexis. Lève pas la tête. Lève pas la tête parce que je vais filmer le salon. Là, on a le salon. Voilà. Qui est très, très grand, très, très bien. On va déjà installer nos ordi et tout. J'ai mes baskets qui n'ont rien à faire là. Hop. Donc là, on a une porte. Donc là, on a un couloir. Donc là, il y a c'est la buanderie. Voilà. Donc c'est une machine à laver séchante. Donc là, c'est notre chambre. David, il se repose un peu. Ça, c'est les premières toilettes. Tout au bout, là-bas. Donc là, il y a une autre pièce, mais c'est fermé. Donc je pense qu'ils doivent mettre leurs affaires perso. Là, c'est la chambre d'Alexis qui a aussi une jolie vue sur mer. Hop. Je sais plus si j'avais montré l'autre fois. Donc, c'est. Voilà, il a deux lits. On s'est déjà étalé. Hein. Et on a une salle de bain. Je vous montrerai notre chambre après. Voilà. Où il y a votre toilette d'ailleurs. Tac, tac, tac. Je mets les petits produits. Et là, c'est moi. Donc on est vachement bien parce qu'en plus nos chambres elles sont à l'opposé, donc Alexis il veut discuter avec ses copains et ça ne nous dérange pas. Bon là il est dans le salon, il aime bien. Mais ben, en fait, même s'il pleut, bon, j'ai un côté de moi où je suis un peu deg parce que ça va être comme ça toute la semaine. Mais c'est magnifique de voir la mer comme ça. Et l'appart est tellement bien qu'on s'y sent bien et tout, puis on s'y sent comme chez nous quoi. C'est connu, enfin c'est connu, c'est réputé je crois au stand. Enfin, c'est une station balnéaire connue. Voilà. Donc, j'attends que David se lève. Faut que je pense à vous montrer la chambre. Et cette porte, on la ferme le matin s'il y en a un qui se lève plutôt que l'autre et tout. Et là, pour pas déranger David. Donc, voilà. Oh, Alexis, je filme. Ah! Je vais montrer la chambre. Hein? Ouais, moi aussi, je vais montrer la chambre. Alors. Voilà. Ça, c'est parce que, en fait, les draps sont fournis, mais nous, on a ramené un drap parce que c'est une couette. On s'est dit qu'on allait avoir chaud, il fait chaud ici. Donc, ah oui, mais je vous ai pas dit. Donc, la chambre, elle est comme ça. Elle est vraiment bien. Et en plus, il y a une autre salle de bain.
mais on va pas l'utiliser en fait. On va en utiliser. Bon, on a vécu nos plus beaux kawaii. Et là, il y a une accalmie, donc on va aller faire un tour en bord de mer. J'ai une capuche. Et voilà. On va quand même se promener un peu. Parce que... à mon avis, on n'est pas à l'abri d'une averse de ouf. Mais bon. On n'est pas venu là pour rigoler, quoi. Putain, la dégaine. On dirait que je suis au mois d'octobre. Voire novembre. Non, parce que les températures, ça va quand même. Voilà, donc voilà sur l'esplanade. Alors, le changement par rapport au mois de mai, attendez, je vous montre, je m'avance, c'est que il n'y avait pas ça là. Il n'y avait pas les petites cabanes et il n'y avait pas ce resto là ou ce bar. C'est un resto ou c'est un bar? Ah, beach bar. Je vais prendre en cornet 3 boules. 3 boules? Ouais. 5,50. Hein. 5,50? Oui, détruit déjà. Alors je vais prendre la snacker. Abrité là sous les arcades, ce qui pleut quand même, il s'est remis à pleuvoir. Sérieusement, j'arrête pas de le dire, je t'aurais pas ennuyé quoi. Je vous aurais dit, j'ai filmé ça en octobre-novembre, vous m'auriez cru quoi. C'est incroyable. Mais bon, c'est sympa quand même de prendre l'air de la mer. Il y a plein de trucs qui n'arrivent pas au mois de mai, notamment ce vent. Ah, mais tous les cabanons, les trucs. Oh là là, merde, sous la pluie. Heureusement qu'il y a les arcades pour nous abriter. Non, je vais en mettre de ce temps quand même. Je vais pas m'en mettre. Trempé. C'est fou. Quoi? On va aller mettre nos trucs au sèche-linge parce qu'on a une machine à laver séchante. Ouais, on va quand même pas mettre du chauffage quoi. Sinon, là tout est trempé. Mon legging est trempé. Et on va faire ça parce que sinon, ça sera jamais sec pour demain quoi.
On était contents d'aller se balader quand même là. En fait, ce soir, on voulait aller au resto, mais on a décidé que mes chaussettes, elles sont trempées. Putain, j'ai pas appris assez de change. Hein. Bref, on a décidé qu'on n'allait pas au resto ce soir. C'est ce qu'on avait prévu au départ, mais on va aller, on va se faire un apéro dînatoire ici parce qu'il pleut trop. Ça n'a aucun intérêt de, si juste pour manger. Voilà, là du coup on s'est changé après une douche parce qu'on était vraiment mouillé de partout. Je dis pas que j'ai pas pris ma brosse à cheveux. Merde. Ah si, elle est là. Ah, mes cheveux sont tout emmêlés. La douche, et surtout parce qu'on avait, pour se réchauffer un peu, enfin se réchauffer, on était trempé de partout. Je sais plus ce que je dis, ce que je dis pas. Du coup là, comme au niveau des vêtements, en fait on n'avait pas prévu de se changer. En fait on avait prévu de se changer tous les jours, mais j'ai pas amené assez de fringues. Du coup on a déjà mis une lessive avec nos kawaii qui sont trempés, mon legging qui est trempé, le jogging deck qui est trempé, les chaussettes trempées, les t-shirts qu'on avait sur nous. Ça qui est les poupées. Non mais c'est fou quoi. C'est un peu fou de chez fou. Bon ben voilà, j'ai même remis le gilet. Qu'est-ce que j'ai froid. Il y a des plaids et tout. Je pense qu'on va pas tarder à prendre l'apéro. Ça va nous réchauffer, ça va nous réconforter. J'avoue que, alors, je suis content d'être là, je suis content de me balader dehors la mer, c'est agréable, heureusement. Mais des fois, c'est, enfin là, je me dis, bon, ça aurait été un mois de juillet normal, on serait pas rentré si tôt, on aurait été baladé, ce soir on était au resto, on aurait fait les balades le soir au bord de plage, enfin. Donc voilà. Je suis pas satisfaite à 100% en fait. On a l'impression que ça va se lever là-bas. J'ose même pas regarder la météo pour demain. J'ai regardé pour la semaine, c'était pas glorieux. Donc je pense que ça va être comme ça tous les jours. Le problème c'est que s'il pleut comme ça tous les jours, on va pouvoir partir toute la journée parce qu'on va. On a vite froid, on a vite tout ça quoi. Enfin, le fait d'être humide, on n'a pas froid, il fait pas froid. Mais c'est le fait d'être humide et tout ça. Bref. Je crois que l'apéro. J'espère qu'on a acheté assez de trucs pour l'apéro. Pif, pif, pouf, pouf, pouf. Voilà. J'ai pris ça là, une tortilla au chorizo. On va couper en petits bouts et on va manger ça avec des piques. J'en ai pas. Si, il y a des piques. Bref. Il est pas tard en plus. Il est 19h et quelques. Ah si, il y a des piques. Bah, c'est bien ça. C'est cool. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que je vais clôturer cette journée. Comme ça, ce soir, je vais monter mon vlog au lieu d'aller me promener en bord de mer. Faut que je me remotive là parce que c'est vrai que là ce soir j'ai un petit coup de mou parce que. Alors, je vais essayer de voir tout le côté positif. J'ai de la chance, je suis en vacances, je suis en Belgique, il y a un super parti à la mer. Donc il faut que je me. Je sais pas quoi. Je m'auto-persuade que c'est génial. Bah c'est génial, mais bon. C'est quand même mieux que du soleil. Bref. Pas être déprimé dans cette vidéo parce que c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout adéquat par rapport à ceux qui partent en vacances, mais voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.